allez, pousse, pousse. Allez, allez, tu peux le faire, peux le faire. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timothée, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est parti les gens, fini de jouer. Aujourd'hui je veux qu'on se parle dans ma home. De biceps à biceps, de deltoïde à deltoïde. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez décidé de changer, de prendre les choses en main. Vous êtes maigre et vous voulez vous muscler, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes mince, vous voulez prendre du poids, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes énorme et sec, cette vidéo... Cette vidéo est aussi pour vous. Et racontez en commentaire comment vous avez fait pour le devenir. Nouvelle question. Ouh. Grosse ambiance. Nouvelle question. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai 20 ans et je mesure 1m80 pour 56 kilos. Je suis très maigre et j'ai honte de mon corps. J'ai envie de me muscler et de prendre du poids. Mais j'ai beau m'entraîner et manger n'importe quoi, je n'arrive pas à grossir. J'ai vraiment besoin de toi. Merci pour ta motivation et ta bonne humeur. Je regarde tes vidéos tous les jours. Boum. Merci à toi et ne t'inquiète plus. À partir de maintenant, on est là et on va t'aider. Ok les gens, depuis qu'on se connaît, chacun de vous qui vous trouvez derrière la caméra a accompli un chemin incroyable. Vous avez pris des bonnes résolutions. Vous vous êtes transformé. Vous avez perdu du poids. Vous avez évolué. Hashtag Tortank. Vous avez explosé, démonté vos limites et amené votre corps à un autre niveau. Et pour ça, je suis vraiment fier de chacun d'entre vous. Vraiment. Mais aujourd'hui les gens, notre mission ne s'arrête pas là. Le devoir nous appelle une fois de plus. Et elle compte sur nous les gens. Étape numéro 1, vous devrez manger beaucoup, 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 beaucoup et bien. On dit souvent que les abdos se font à la cuisine, mais devenir énorme et massif va aussi te passer là-bas. Dans un premier temps, vous devrez vous dire que vous avez un métabolisme rapide. Pour réussir à prendre du poids, vous devrez donc consommer plus de calories que vous allez en dépenser. En moyenne, un homme normal va avoir besoin de 2500 calories par jour. Mais vous, ça ne vous concerne pas. Vous ne voulez pas être normal. Vous voulez être différent, exceptionnel. Vous voulez prendre de la masse. Et pour ça, vous allez devoir manger 4000 calories. De quoi ? Votre poids bouge pas ? Alors allez jusqu'à 6000 calories ou plus encore. Mais attention, c'est pas en allant au McDo et en vous enfilant 4 Big Tasty à 1000 calories et 30 McFlurry goût Oreo que ça va marcher. Non. Après, bien sûr que vous pouvez vous faire des cheat meals de l'espace. Mais dans votre alimentation de base, vous devrez vraiment avoir des aliments utiles. Comme des pâtes complètes, dinde, du riz, dinde, flocons d'avoine, dinde, dinde, dinde et pourquoi pas de la dinde. Car vous aurez beau aller à la salle pendant des heures, vous entraînez le jour de Noël entre le foie gras et la bûche, les lendemains de soirée quand vous êtes encore en train d'écuver, ou bien même le jour de vos 1 an avec votre petite au lieu d'aller au resto, si vous ne mangez pas assez, vous ne prendrez pas de poids. L'idéal serait que vous ayez toujours à manger sur vous. Il est 10h et c'est l'heure de la petite collation et vous êtes en cours, aucun problème. Sortez le shaker et votre sandwich pain complet dinde. Non, ne vous inquiétez pas, votre prof comprendra. Vos copains ont la dalle et veulent prendre de votre nourriture, fuyez, fuyez pauvre fou. À partir de maintenant, vous n'avez plus d'amis. Prendre du poids doit devenir votre priorité. Vous mangez à la cafette le midi. À partir de maintenant, asseyez-vous systématiquement avec des petites. Mais là, oubliez les paires de meules de suite. Vous n'êtes pas là pour chafouiner, mais pour devenir énorme. Et pour ça, vous remarquerez qu'à l'approche de l'été, elles finissent rarement leur assiette. Demandez-leur alors si elles sont prêtes pour la plage. Et là, ça va leur couper l'appétit directement. Vous pourrez donc, avec un grand sourire, en profiter pour tout finir et rajouter des calories à votre repas. Mais prendre de la masse va aussi demander de l'organisation. Vous avez soirée samedi soir? Ok, ça veut dire que vous devrez préparer votre repas de 20h en avance, car vous savez pertinemment que la nourriture en soirée, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est 5 cacahuètes qui se battent en duel avec 10 chips saveur oignon dégueulasse. Cuisinez donc votre riz d'Inde chez vous. Mettez tout dans un Tupperware. Et en arrivant à la soirée, mettez-le directement au frigo. Ensuite, la fin de soirée arrive. Entre deux bouchées de riz, vous avez rencontré une petite intriguée par votre repas et par votre petite Vendy Bibi. Elle vous propose de finir la soirée chez elle. Là, d'un coup, vous avez le sourire jusqu'au trapèze. Vous montez dans sa voiture. Vous commencez à vous rapprocher petit à petit. Vous avez la barre olympique qui s'emballe. Votre taux de testostérone est à son paroxysme. Vous posez vos mains sur ses meubles et là, stop, arrêtez tout. Vous réalisez que vous avez oublié de préparer votre petit déjeuner pour demain matin. Non les gens, non, vous n'avez pas le choix. Sortez de la voiture et rentrez chez vous. Règle numéro 2 les gens, ne jamais louper un repas pour une petite. Jamais. Bon, et au pire, prenez une petite qui a des œufs chez elle pour demain matin. Et là, là ce sera parfait. Vous devez vous mettre en tête que chaque repas que vous allez faire va vous rapprocher de votre
objectif. Étape numéro 2, quand vous serez au temple, vous devrez vous entraîner avec des exos de base comme le squat, le soulevé de terre ou le développé couché. Ce sont vraiment eux qui vont vous aider à développer votre masse musculaire. Après, si vous ne pouvez pas aller en salle, enlevez vos cours de maths, compta, philo de votre sac et mettez-y quelque chose de vraiment utile pour une fois, comme des poids. Ça servira de lest pour bien travailler sur vos pompes et tractions. Faites des pompes des tractions. Et troisième et dernière étape, reposez-vous. C'est pendant le repos que vos muscles vont réparer les fibres musculaires que vous avez détruites pendant l'entraînement. Et c'est ça qui va vous rendre encore plus énorme. Et même si vous vous faites chier chez vous, que vous avez l'impression d'être puni de muscu, que c'est la pire torture au monde, les jours de repos vont être importants pour progresser et pour la gloire de votre masse. Après les gens, c'est simplement ce que je fais moi. Il ne faut pas oublier que tout le monde est différent et que tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Donc pour conclure, n'ayez pas peur de vraiment manger au-delà de vos habitudes pour prendre de la masse. Ne loupez jamais un repas, entraînez-vous efficacement, reposez-vous, soyez patient et vous y arriverez. Mais après, il est important de se dire que prendre du poids, ce n'est pas seulement dans le but de remplir les manches de son t-shirt et d'en exploser les coutures. Non, ça va être aussi un moyen d'avoir plus confiance en soi, de s'assumer dans la vie de tous les jours, de montrer aux gens que vous existez, que vous êtes là, putain de merde. Je veux qu'à présent le matin vous vous leviez et que vous soyez heureux, fier de vous, que vous soyez le héros d'un jeu qu'on appelle la vie. Cette nuit les gens, j'ai fait un rêve. I have a dream. Que toutes les personnes dans la rue étaient énormes et sèches, et grâce à vous ce rêve peut, que dis-je, va se réaliser. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo, à vous abonner, écrivez dans les commentaires vos avis, vos conseils et vos expériences pour aider cette personne à prendre du poids. Partage la vidéo sur le mur de toutes les personnes qui veulent se muscler. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Qu'est-ce que ça donne toi, sale? Vous êtes les meilleurs. Boum.